Et bonjour à tous, c'est l'ami Fob à l'appareil. Bienvenue sur la deuxième vidéo qui fait partie de ce stream du dimanche. On est toujours sur Darktide, comme on peut le voir à l'arrière de l'écran. Sauf que cette fois-ci, je vais jouer vétéran. Et voilà, on va tout simplement se faire des quelques petites games tout l'après-midi là. Donc j'ai fait une game précédemment avec un fanatique où j'ai un peu joué n'importe comment comme un bourrin. Donc on va voir si je me chauffe avec le temps ou non. Je vais vite fait checker qu'il n'y ait pas une dague à vendre, mais non. Donc on va y aller comme ça. Donc, alors, je vais sélectionner ma mission et pas faire du quick play parce qu'il y a le modificateur. Les lumières sont éteintes. Apporter une torche qui est juste un enfer, honnêtement, hein, quand on est totalement plongé dans le noir. Pour avoir fait quelques parties. Un autre jour avec ce modificateur, même avec une lampe, le fait qu'il y ait des dizaines et des dizaines de tireurs qui sont totalement plongés dans le noir, c'est inintéressant honnêtement, je trouve. Je trouve vraiment que c'est une mécanique qui est pas bien utilisée pour le coup. Je pense qu'il fait trop noir dans le niveau avec ce modificateur. Donc on va plutôt lancer une game sans ce modificateur à la noix. On va dire bonjour et puis on va lancer. Hein. On verra si les gens rejoignent après. Ok. Alors, de ce que je vois, on a un psyker ici avec sa tenue un petit peu particulière. Un no green, hein, qui est reconnaissable. Un vétéran parce qu'il a les munitions sur l'épaule. Et un autre vétéran, ça c'est moi. Je suis un peu plus bas niveau. Reconnaître les classes même sans savoir sans avoir quelque chose d'écrit en fait. C'est tout des bottes hein, pour le moment. Ah non, c'est bon, je suis en train de me dire. Sympa qu'ils mettent des ogrines comme bottes en même temps, heureusement, parce que vu que les bottes ont tout le temps la fâcheuse tendance à se mettre devant nous, si c'est un ogrine, ce serait casse-pied. Alors, bon, je tente un succès où la grenade doit exploser des ennemis sans rebondir. Ok, pour le moment il n'y a pas de tireur. Ouais. Derrière moi je crois, ouais, merci Logreen. Les armes font pas de dégâts quoi, c'est dingue. Faut absolument que je trouve de meilleures armes. Oh non, il y en avait un derrière moi. Allez, je vais retenter ce truc. Voilà. Il suffit de le pousser et il explose tout seul. Hein. Pas besoin de tirer dessus comme un malade. C'est un échec.
Hop là, alors, qu'est-ce qui se passe d'autre ici? Je ne vais pas rester devant le baril. Oh! Je n'ai pas entendu. Il n'y a pas eu le son du backstab. C'est pas très grave. Bon, pour le moment, il n'y a pas trop de tireurs. Oh merde, putain, je savais pas qu'on pouvait tomber ici. Ah, oh, quel con. Non, 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 faut pas me rester tout de suite, les gars. Ah, oh, là, je suis tombé au pire moment. Et l'autre, il me met un coup de lance-flamme sur la gueule. Ah, oh, je vais mourir. Ah, oh, là, 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 j'ai tellement mal joué. Une esquive toute pourrie dans le vide, quoi. Pire moment, parce qu'il y a une horde en même temps. Ouais. J'espère que vous avez pas tous bouffé tous les soins. Bah si, c'est dommage. Il aurait bien eu besoin maintenant. Ah, j'ai mal géré, hein. Mon esquive dans le vide, elle était catastrophique. Il y a un boss. Merci. Oh putain, ils ont aggro la créature bizarre. Ok, le nouveau boss. Merde, c'est pas par là. Y'a pas de barre de vie ce truc. Sauver le pote, hein. Non, mauvais plan. Ah, oh, c'est un putain de mauvais plan, c'est un cul de sac. Ah, je suis mort, ok. Ok. Je me suis enfermé. Décidément, c'est le mystique hein, aujourd'hui. Je fais des esquives pourries. C'est l'infernal ce boss.
Ah putain, j'ai mis clic sur ma vidéo, c'est super, désolé. Désolé. Ah, c'est parce que j'ai fait une parenthèse et du coup ça a changé d'écran. Aucun dégât avec mes armes, je suis beaucoup trop bas niveau. Bah oui. Ah, je pensais qu'il y avait un escalier qui montrait ici. Ok. Oh putain, on se retape un boss derrière l'autre truc quoi. Oh, c'est tellement pas. Oh, c'est une bête de Nurgle. C'est infernal. C'est pas une bonne idée que j'ai eu là. Je voulais me mettre derrière le boss. Ok. Voilà. Pas de dégâts, c'est infernal. Oh merde, je suis dedans quoi. Eh ben, c'était complexe. Bah, je vais plutôt prendre les... Prendre ça déjà. Thank you.
Oh là là, je... J'ai totalement échoué. Il est encore là. Essaye d'en tuer, de faire un achievement au passage. Pas aussi mon succès où je suis censé tuer 4 mecs je crois à 40 mètres de distance. C'est pas très grave en soi. Quelque part. Hein. Yes, je l'ai eu. Longue bombe. Parfait. Bon, moi je me prendrai plus la tête avec ça. Oh. Merci le ralentissement. Ok, il n'y a plus de soins, je pense que... Il n'y en avait pas beaucoup. Bon, il y a beaucoup de réussite là sur longue bombe. Le fait qu'il y ait... Ouais, je te les laisse, vas-y. Celle-là pour la peine. Sérieux quoi? Oh, c'est pas vrai. Il arrête pas d'être bousculé. Ça.
need ammunition. Back this way. Precision fire! One of them! Il n'y a pas beaucoup de grenades, hein. Je galère avec mes munitions là. On va bien les pinguer, putain le ping de ce jeu est infernal. Ah, j'ai de l'endurance, aussi. Bah oui, forcément que c'est pour moi. Hop, on va se soigner et on sera paré pour l'événement final. Oh, il y a des grenades, oui, je veux. Oh, sérieux, il m'a touché sur le côté. Ok, ok. Je sais pas pourquoi je me suis baissé alors qu'il n'y a pas de friendly fire, mais bon. Ouais, je visais comme un pied. Yeah.
mes côtés. Merde. Oups. C'est pourri ma grenade. Elle m'a glissé des mains, genre. Ah, encore un succès. C'est fou que je fasse si peu de dégâts, hein. Ça m'aide pas du tout. Hein. Magnum est censé quasiment tout one-shot. Oh, il était pourri ma grenade comme ça. Oh là là là, il y a un tireur ici aussi. Je l'ai pas vu dans le noir. Honnêtement, le last gun il fait beaucoup trop de dégâts. Wow. Le last gun fait beaucoup beaucoup trop de dégâts. Mais vu la cadence qu'il a, il devrait faire un petit peu moins, je pense. Bon, c'était un peu bourrin aussi comme game, j'avoue, je suis pas spécialement bien joué. J'essaye hein, de me concentrer au max, mais c'est pas facile. Ça aurait été rigolo qu'ils viennent avec nous, le chien. Ah, le mec est aussi niveau 22, ça explique pourquoi il a une arme qui fait autant de dégâts.